Ok. Très bien. Ah bah non, je l'ai pas eu. C'était celui d'avant, j'avais dû l'avoir. Enfin, quand on avait fait le... Ah, celui-là, il est chiant. Il est chiant de ouf. Ok. Allez. Réflexionne. Bon, déjà, il y a 0 seconde à perdre. Je sais pas si je vais en avoir besoin ou pas. Ma porte, elle est là, on s'en bat les couilles. Voilà. Toi, tu crèves. Alors attendez, il faut qu'elle passe l'autre. Ah mais non, il me coupe la porte. Ok, faut que je sois là. Ok. Alors. Ok. On peut le faire là en fait, hein, juste. La musique, elle est juste trop bien par contre, hein. Mais arrête d'avancer super vite, je veux voir doucement moi. Alors pourquoi j'ai tué lui? Parce que lui, il venait me voir. Mais j'ai le temps de passer de l'autre côté, non? J'ai grave le time. J'ai grave le time de faire ça. Ah, mais par contre, là, il vient me faire chier. Alors, lui, il me voit. Alors. Je pense que lui, je suis obligée de le tuer. Parce qu'il me fait grave chier. Alors. Ah, c'est trop chiant. Parce que du coup. J'avais forcément dû l'éviter, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va juste rester là. Il me chope. C'est moi-même qui me saoule là. Je peux pas me tuer moi? Ah non, mais je peux le tuer lui maintenant que je suis là. Attendez. Juste. Au mieux de rester là à rien faire là. Tu crèves. Il faut qu'il crève beaucoup plus vite que ça. Ah bah non, j'ai juste la... Non, du coup, je peux juste ne pas bouger. Mais t'es sérieux, là? Ouais, mais j'ai plus le temps de passer cette putain de porte. À l'aide! Attendez, il se passe quoi? Si je reste là, là. Restons là. Alors, si je reste là et que je tue lui. Ah putain. Parce que peut-être qu'après je rouvre la porte, hein. Ah mais elle vient au même endroit que moi! Bon, sachant que j'en ai tué un. Donc. On va juste la suivre. Voilà. Voilà. Là, on n'est plus emmerdé. Et on n'a plus qu'à attendre qu'elle aille rouvrir.
Voilà, c'était sûr. Alors par contre, ouais, il faut que je sois plus là. Alors il faut que je sois plus là plus vite que ça. Ok, c'est bon. C'était un petit peu plus dur celui-là. En même temps, je voulais absolument passer dès le début. Ah, yes. On a encore gagné le truc. Là, je crois que c'est nous qui l'avons gagné et pas le nous du passé, hein. La musique est juste trop bien, c'est trop immersif. Bon, par contre, on va en faire beaucoup des niveaux là parce que c'est long, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Mais déjà là? Ok. Alors peut-être qu'en fait, depuis le début, il suffit que je reste là. Don't move. On va attendre qu'ils passent leur vie là. Qu'ils se cassent. Voilà. Voilà, il suffisait d'attendre. Easy peasy. Et ben quoi? Ben voilà. C'est tout, hein? Ah, d'accord, il faut aller avancer pour lui dire, regarde, elle va y arriver. Bah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de sens! On m'explique là. What? Ça n'a pas de sens, on est d'accord. Moi, j'ai juste à prendre ma porte. Je suis pas censée l'aider, elle. Ou alors, c'est parce que du coup, la porte, elle est plus là-bas? C'est quoi ce blême là? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui fait qu'elle y arrive plus? La moi du passé. Enfin. Tac, 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 ça, je me souviens. Elle fait le tour, blablabla. Elle fait le pont. Mais c'est parce qu'il y a l'autre là qui s'est ramené et qui a tout cassé? Bah non, je comprends pas. The fuck is happening? What?
Moi, je suis juste censée sortir là. Hein. Alors attendez, parce qu'en fait, la soluce, elle te dit, en gros, démerde-toi, apprends le gameplay toute seule, sans que le jeu ne te dise que tu as des nouveaux pouvoirs. Du style. Tu vas là? Et comme le chat il t'a vu, ça va aider la meuf? J'ai pas compris. Mais ça aide pas la meuf du tout. Ça l'aide pas du tout. Attendez, et non mais là franchement sans la solution c'est pas possible. Putain, c'est vraiment la frame près. Mais par contre ça vraiment abusé. Abusé, comment t'es censé savoir qu'il faut que tu fasses ça et que le chat il va te voir et qu'il va gueuler? Genre à aucun moment. Ok, point. À aucun moment t'es censé comprendre ça. Je suis désolée. Faut le savoir en fait. Enfin, je sais pas, c'est pas logique. Le chat te voit, du coup il crie. Merci de m'avoir prévenu. Ok. Bon, maintenant on le sait au moins, mais. Tu peux chercher longtemps, hein. Bon, en tout cas, on est bien avancé. Enfin, on est à la moitié du chapitre 5. Un peu moins de la moitié. Oh là là, je vous jure. Bon, j'espère qu'on va pas mettre trop de temps là, parce qu'il est déjà bientôt 23 h. Comment pourquoi le chat il crie, on sait pas. Je sais pas. Censé comprendre quelque chose qu'on t'explique pas. Ah, elle court encore, et après ça va être la fin. Encore un troisième chapitre super chiant. Enfin, une fin de chapitre. Bah, il n'y a plus de symboles là. D'habitude, il y a des symboles. Un chat. Oh, c'est Ayrton. Ok, let's go. Ça fait mal aux yeux. C'est bon, on peut dire que c'est fini. Terton, il va sortir là. C'est là, t'as 20 minutes de cinématique. Qui t'explique toute ton histoire et pourquoi qu'est-ce que tu fous là. Ce serait bien. Ah ouais, t'es comme ça, tu vas passer dans le conduit là? Ah non, tu sors, Terton. Oh! Terton! Ok, et du coup. Oh, il y a encore un chapitre. Mais d'où? Rendez Terton.
Par contre, vraiment, rendez l'avatar à Pokémon, quoi. Il est magnifique, le jeu. C'est fou. C'est tout, on a fini? Ok. Et là, il va nous montrer toute notre aventure, c'est ça? Ça va être long. Hein. La cage du début. Ah bah non, ça y est, c'est fini. Ah pourquoi dans le mec, il a encore 10 minutes sur son let's play? Ah, là on avait récupéré Terton. Arrêtez, je vais pleurer. Trop beau. J'ai toujours rien compris, hein, mais c'est très beau. Regardez votre aventure avec Terton qui va disparaître. Il est vraiment trop trop beau le jeu, vraiment. Je n'ai rien d'autre à dire que ça, mais vraiment, c'est si beau. Ok. Donc là, c'est quand on est allé récupérer Terton. Non, Terton! Rendez Terton. Rendez Terton! N'accepte pas.
On peut utiliser notre pouvoir. Non. On revient en arrière et on recommence. Pour ne pas perdre Terton. Parce qu'on a perdu notre chat. Encore ? Par contre, vraiment, expliquer ce qu'il faut faire, quoi. Parce qu'il y a des fois... compliqué, hein. Encore. Et du coup, bim bim, elle retourne dans son lit et bim bim, on recommence. D'accord. Non, ça disparaît quand même. On n'arrive pas à retenir le temps. Oh, il y a une porte. Il y a une porte. Il y a un couloir. Point and click, go. Allez, vas-y, va à la porte. Elle est triste d'avoir perdu son chat. On sait pas pourquoi d'ailleurs, mais... You cannot save Terton. Putain, c'est trop triste. Oh non. Elle va y aller quand même, elle y va quand même. Je suis trop impliquée dans cette histoire. C'est long un peu quand même. J'ai zéro patience. Mais non, on veut l'avoir passé la porte là. Ils vont encore nous aveugler. Ça fait vraiment très blanc. Et du coup, c'est tout? Bah non, du coup elle se réveille encore. Elle est dans un hôpital. Elle a plus les mêmes vêtements. Attendez, on essaye de comprendre le storytelling là. Elle a les jambes rouges sur le haut. C'est peut-être de l'ombre. Ça a pas l'air d'être de l'ombre. Ok, cool. Ça avait l'air super. J'ai rien compris à ce jeu. J'ai rien compris. J'ai rien compris, mais c'était super. Bon, il était trop bien le jeu. Je vous le conseille. Je l'ai payé genre, je sais plus, 3 ou 4 euros sur Instant Gaming. Ok. Thank you for playing. De rien. On a beaucoup apprécié votre jeu, même si on n'a rien compris. Alors, là, c'est le moment. J'ai récupéré 3 reliques sur 15. Mais l'abus... c'est pas vrai, on en a fait plus que ça. On en a fait 4 au moins. Abusé. Et là, tu peux refaire. Jouabilité. Bim, bim, bim. Alors, est-ce que tu me dis... Alors, on a réussi ça. Dans le chapitre 2. 3, 2, 1, c'est parti. Je viens en paix. Dans le chapitre 2, toujours. Non, c'est le chapitre 3, ça. Ouais, c'est le chapitre 3. C'est parce qu'il n'y en a pas dans le chapitre 1. Il y en a 4 dans le chapitre 2, on n'en a eu aucun. Du coup, on en a eu 2 dans le chapitre 3. 1 dans le chapitre... Mais c'est tout, on a eu que ça. Mais je pensais vraiment que... Opération Skuld, ouais, laissez le passé là où il est, ça va mieux pour tout le monde. Je crois qu'il voulait dire ça vaut mieux. Bon bah c'était ouf. Bim bim, fini. On n'a rien compris. Non! Attends, on va revenir à un moment où on a le chat.
Ou Chatterton, il est avec nous. Voilà. Mais non, arrête-toi. Il veut pas. Bon. Bon. Bah, c'était super cool. Alors, du coup, moment un peu critique du jeu. Après ce let's play qui a mis 10 ans à être fini. Parce que pour indication, on a fait 3 séances dessus. Je crois. Sauf que entre la seconde séance... Bah déjà entre la première et la deuxième, il y a eu, on a manqué une semaine. Et entre la seconde et celle-là, il y a eu genre un mois parce que j'ai eu des enterrements et tout. Et après, il y a eu la pyjama partie. Et j'étais malade. Et du coup, bah ça a traîné. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? Le jeu, il est trop bien. Vraiment, je vous le conseille. Si vous aimez les énigmes. Parce que moi, de base, j'aime pas les énigmes. Mais là, j'ai bien aimé. C'était sympa. C'était vraiment frais, on va dire. C'était sympathique. Et puis, par contre, le truc énervant, c'est là, sur la fin, sur cette session-là, comme vous avez pu voir, il y a du gameplay qui sort de nulle part, tu sais pas pourquoi. Genre d'un coup, quand tu arrives devant le chat, il miaule tout seul, enfin, tu sais pas, il t'explique rien. Et du coup, sans la soluce, c'est mort. Enfin, genre vraiment ce niveau-là qu'on a fait là il y a 10 minutes. C'était impossible, j'aurais jamais su qu'il suffit... Enfin déjà, j'aurais pas compris qu'il fallait que j'aille ouvrir des portes alors que normalement le niveau il a été fait sans moi, donc je suis pas censée influer là-dessus. Donc j'ai rien compris là-dessus, mais bon. Voilà, hein, c'est tout, c'est comme ça, c'est le gameplay. Donc voilà, il y a des mécaniques de gameplay qui sortent un peu nulle part, tu comprends pas, sur la fin. Mais c'est sympa.